얹고 있죠. We have no question, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame le témoin. Je m'appelle Anta Gissé. Je suis co-avocat international de Monsieur Khieu Somphone. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, une première question sur vos activités avant avril 1975. Vous avez indiqué à la Chambre que vous étiez dans une unité qui était chargée de récolter des racines pour la confection de médicaments traditionnels pour lutter contre la malaria, la fièvre et la diarrhée. Je voulais savoir qui était votre chef d'unité à l'époque et si vous savez si au sein de votre unité, il y avait des tradis praticiens, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude de soigner selon la méthode traditionnelle. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre dans ma question, donc je vais essayer de la reformuler. Avant le 17 avril 1975, lorsque vous étiez en charge de récolter des racines traditionnelles, qui était votre chef d'unité? Est-ce que vous pourriez répéter le nom, s'il vous plaît? Nous n'avons pas entendu le nom dans la traduction. Le chef d'unité, c'était le même. Est-ce que c'est le même Tarit qui était ensuite ministre du commerce? Et la question, l'autre question que je vous posais était de savoir si, au sein de votre unité, il y avait des gens qui avaient des compétences dans la médecine traditionnelle. Est-ce que parmi les gens qui travaillaient avec vous, il y avait des gens qui avaient l'habitude de soigner avec les plantes? Je voudrais maintenant m'attacher à avril 1975. Vous avez indiqué que vous êtes arrivé à Phnom Penh après la victoire. Ma première question est donc la suivante. Est-ce que, après la victoire, c'est la première fois que vous mettiez les pieds à Phnom Penh?
Le premier endroit où vous êtes allé à votre arrivée à Phnom Penh, est-ce que vous pouvez le décrire à la chambre? Tout à l'heure, monsieur le coprocureur a parlé du stade olympique, mais je n'ai pas entendu ce mot sortir de votre bouche. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ce stade? Est-ce que c'était bien le stade olympique ou est-ce que c'était un autre stade? Je vais revenir tout à l'heure à d'autres points sur votre vie à Phnom Penh. Mais auparavant, je voulais savoir, au moment où vous arrivez à Phnom Penh le 17 avril 1975, quel dirigeant est-ce que vous connaissiez du PCK ou du Kampuchea démocratique en général? Quels sont les noms qui vous étaient familiers et ce que vous saviez quelles fonctions ils occupaient? D'accord, donc si je comprends bien, avant avril 1975, vous ne connaissiez en gros que les personnes qui avaient des responsabilités autour de vos activités et dans la localité où vous vous trouviez. Est-ce que c'est bien ça? Tout à l'heure, répondant aux questions de monsieur le coprocureur, vous avez évoqué des sessions d'éducation et vous avez évoqué un certain nombre de noms. Vous avez parlé de Pol Pot, Yeng Sari, Khieu Sampan, Nguyen Chea. Je voudrais savoir ce que vous saviez à propos de ces personnes au moment où il y a eu ces sessions d'éducation. Premier point, que saviez-vous de Pol Pot? Quel était son poste à votre connaissance à l'époque où vous l'avez entendu en session d'éducation? C'est Pol Pot qui a annoncé ses fonctions ce jour-là? Ja,
Je vais revenir un petit peu plus tard, dans très peu de temps, à M. Kyo-Sampan, mais tout d'abord, vous avez indiqué que vous avez passé un certain temps à Takmao à vous occuper de Kapok et que c'est par la suite que vous êtes arrivé à la pagode de Tultompong. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? En ce qui concerne vos activités à Tultompong, est-ce que votre travail était toujours au sein de la pagode ou est-ce que vous faisiez des activités à l'extérieur? Vous avez indiqué que vous avez assisté pendant la période du Kampuchea démocratique à deux sessions d'éducation auxquelles vous situez la présence de Kyo-Sampan. Et vous avez répondu tout à l'heure, répondant à monsieur le coprocureur, que si vous comptiez les sessions d'éducation et les autres réunions auxquelles vous dites que vous avez vu Kyo-Sampan, vous arriviez à peu près à un nombre de six. C'est-à-dire deux sessions d'éducation à Boraikila et quatre réunions au sujet du bureau du commerce. Je vais donc vous poser des questions maintenant au sujet de ces réunions au bureau du commerce. J'ai cru comprendre de vos réponses précédentes que vous n'êtes pas en mesure de dire à quel endroit exactement ces réunions ont eu lieu. Est-ce que j'ai bien compris? Quand vous dites j'allais rarement à Phnom Penh, est-ce que vous voulez dire que vous sortiez rarement de la pagode de Tultompong? Tultompong, pardon. D'accord, donc vous ne savez pas très bien, vous avez expliqué qu'avant avril 1975, vous n'étiez jamais venu à Phnom Penh, donc il n'y a pas de souci sur ce point. Une question cependant, est-ce que vous vous souvenez si pour ces quatre réunions, vous vous êtes déplacé hors de la pagode, est-ce que vous vous souvenez si vous êtes déplacé à pied ou si vous avez pris un véhicule? C'est vous qui conduisiez la moto ou c'est quelqu'un qui conduisait la moto pour vous? Et lorsque vous êtes rendu à cette réunion, vous étiez toute seule ou vous avez suivi des gens qui venaient eux aussi de la pagode où vous travaillez? Mật thà mật ấy cái tàu đài.
Alors, je voudrais une précision. Là, vous me parlez d'une réunion lorsque vous étiez à la pagode de Koksa. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez assisté à une réunion avec... Est-ce que j'ai bien compris que vous avez assisté à une réunion avec des membres du bureau du commerce? Et tout à l'heure, en répondant à monsieur le procureur, je cite en fonction de mes notes, vous avez dit que vous assistiez les réunions auxquelles vous avez vu que Sampan, en dehors de, des sessions d'éducation, étaient des réunions en petit comité avec Ta-Hung, Ta-Hun, la camarade Ta, et Van Rit, et vous-même. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition que ces réunions avaient lieu en petit comité avec les personnes que je viens de citer? J'avais cru comprendre que vous étiez allé d'abord à Tokmao avant d'aller à la pagode de Tultampong. Après la pagode de Tultampong, vous êtes également retourné à Tokmao? À propos de Kyo Sampan, vous avez indiqué que lors de la session d'éducation, Pol Pot l'aurait présenté comme membre. Est-ce que vous saviez quelle était la position exacte, quel était le titre de M. Kyo Sampan à l'époque? Quand vous dites, vous le saviez, hein, quelle était la source de votre information? Quand vous dites la structure était là, à quelle occasion est-ce que vous avez pu savoir quels étaient exactement les niveaux hiérarchiques des uns et des autres? Nguyên chia
C'est ce que vous avez déduit ou c'est lui qui a dit cela, qui a parlé d'ordre hiérarchique? C'est une déduction que vous avez faite? Est-ce que vous saviez ce qu'était le comité permanent? Je vous pose des questions sur la source de vos informations, madame, puisque vous avez été entendue également par les coachs d'instruction, et vous avez évoqué avoir fait aussi d'autres suppositions sur qui était qui. Et je voudrais citer votre déclaration E3-10721, questions et réponses de 126 à 131. Et ma première question avant de citer ce passage, est-ce que vous connaissiez Son Sen et savez-vous quel était son poste? Et est-ce que vous connaissiez Von Vett? Et quelle était sa fonction? Dans votre entretien avec les enquêteurs des couches d'instruction, vous dites quelque chose d'un petit peu différent, et donc c'est aux références que j'ai données tout à l'heure, à savoir question-réponse de 126 à 131, et je vais lire pour vous rafraîchir la mémoire sur ce que vous avez dit, et je vais lire en anglais. La question 126 qui vous est posée est la suivante. In your interview with the Documentation Center of Cambodia, you mentioned a person named Son Sen. Is that correct? Your answer? Yes, it is. Son Sen was perhaps also called Von Vett, I guess. Question: how did you know that Son Sen and Von Vett were the same person? Answer: I don't know. Question: what was Son Sen's position? Answer: I don't know.
question. So, how about Van Vert's position? John Van Vert, when got men mok dum nai yang bai dai? Answer. Chlai. He was the secretary of the special zone office 305. I heard people calling him Son Sen. Son Sen. Question. So, did you ever see him? Looks like thlop khoeng kot te. Answer. Chlai. Are you asking me about Van Vert? So, khnyom pi Van Vert mae. Question. Sure. No, I'm not. I'm asking you about Son Sen. Son Sen. Man man Van Vert. Answer. Chlai. I never saw Van Vert. Van Vert khnyom man Son Sen. I only heard about them and suspected that they could be the same person. Song sai tae puok kot nang chea manuh tae muoy ko man dang. So man chop ka dak srong. Est-ce que, madame, ça vous rafraîchit la mémoire sur ce que vous avez dit devant les couches d'instruction? Et est-ce qu'il est vrai qu'en réalité, vous ne savez pas exactement qui était Son Sen ou qui était Van Vert? À propos de Kyo Sampan, vous avez évoqué pour la première fois le fait qu'il aurait assisté à des réunions avec vos chefs Tahong et Tarit. Vous l'avez évoqué pour la première fois lors de votre audition par les coachs d'instruction début 2016. Vous avez répondu ce matin à M. le Président et vous avez indiqué vous souvenir avoir été interrogé bien longtemps avant par le CDCAM. Nous avons au dossier deux entretiens avec le CDCAM qui sont tous les deux sous la cote de 3/56/47/5647. Un premier entretien qui date du 7 décembre 2002 et un autre entretien qui date de 2004. Du 20 octobre 2004 exactement. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le moment où vous avez été interrogé par le personnel du CDCAM? Lors de votre premier entretien de 2002, en fait, on réalise que c'est plutôt la personne qui vous pose des questions, qui vous parle de Kyo Sampan. Et je renvoie au premier extrait. D'abord, donc, document E3/56/47, ERN en français 00332570, en anglais 00640150 et en Khmer 000543 87. Et vous évoquez à ce premier ERN, vous évoquez une session politique à Boraikila et c'est la personne qui vous interroge qui vous dit Ming, quand vous êtes arrivé là, alors vous avez une formation politique. Vous disiez la dernière fois que vous avez appris la politique avec Nong Chea et quelqu'un comme ça. Où cela se passait-il? Et vous répondez, là, on appelait Boraikila, quelque chose comme ça. Ensuite, dans un deuxième extrait,
Cette fois-ci, c'est le RN en français 00332572. En anglais 00640151. Et il faut que je retrouve le RN en Khmer qui m'échappe pour le moment. Je vous le redonne dans un instant, Monsieur le Président. La question qui vous est posée est la suivante. Donc, toujours le personnel du CDCAM. Qui était considéré comme quelle catégorie de personnes comme ennemis de cette révolution dont on parle dans la Réunion? Donc, Yeu Sampan, Nyon Chua était enseignant. Ont-ils expliqué quels étaient les critères pour déterminer les ennemis de l'Ankar? Votre réponse était la suivante. Oh, parfois on disait que les ennemis étaient à l'intérieur de notre corps, quelque chose comme ça. Nous, les ennemis mentaux, nous menaient à la paresse. Fin de citation. Ma première question, est-ce que vous vous souvenez? Si, comme cela ressort de la lecture de ce document, que la première fois que vous avez que le nom de Yeu Sampan a été prononcé lors de cet entretien, si c'était bien la personne qui vous interrogeait qui a prononcé son nom, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ou est-ce que c'est trop loin? Tout à l'heure, un troisième extrait vous a également été rappelé par le coprocureur, toujours à la même page, au même URN. Et on vous demandait qui disait cela, Yeu Sampan, Nyon Chua, et vous répondez Nyon Chua. Et est-ce que vous vous souvenez, Madame le témoin, si lors de cet entretien avec le CDCAM, vous avez évoqué les responsables du bureau du commerce à l'époque? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire, ça va être plus simple. Donc, lorsque vous êtes interrogé par les membres du CDCAM, document E3-56-47, et Monsieur le Président, le RN en Khmer qui nous manquait tout à l'heure vient de m'être fourni, et il s'agit du 005489. Donc, dans ce nouvel extrait, on évoque le retrait de Tarong et vous évoquez qui étaient les responsables du ministère et du commerce à l'époque. ERN en français 00332566. ERN en anglais 00640144 et ça se poursuit sur la page suivante. Et ERN en Khmer 00054381. Voilà la question qui vous est posée. Et quand on a limogé Hong, Rit était là? Votre réponse. Au commerce national et international, c'était lui qui le dirigeait. Question. Non,
quand on a emmené Ta Hong et limogé certains des gens de l'Est, Van Riet, lui, occupait toujours ce poste, n'a pas été muté? Votre réponse? Oui, il était là. Question suivante. Et vous avez entendu parler du nommé Khoi Thun ou Khoi Thik? Votre réponse, c'est Ta Thuyk et Ta Thuyk, je les connaissais. Fin de citation. La personne qui vous a interrogé ce jour-là vous pose des questions sur le dénommé Khoi Thun. Est-ce que vous saviez qui était Khoi Thun et quel était son poste? Khoi Thun, nhưng mình đã school phong. Thun thuộn nâng nhưng mình đã school. Dans votre CD-CAM, pourtant, vous dites que vous les connaissiez. Et vous dites ceci, je vais poursuivre ma lecture de l'extrait que j'ai commencé. La question suivante, après que vous ayez évoqué Ta Thuyk et Ta Thuyk, la question suivante qui vous est posée est la suivante. À ce moment-là, il était ministre de quoi? Votre réponse, à cette époque, il travaillait dans le domaine médical. À l'époque d'Apot, on l'appelait Hum Thuyk. Question suivante. Et celui qui travaillait dans le ministère du commerce, celui qui était supérieur à Van Riet, c'était qui? Votre réponse. Il n'avait plus que ce Ta. Fin de citation. Est-ce que cet extrait vous rafraîchit la mémoire? Your Honor, this may just be a translation issue, but in the English, reads the DC CAM interviewer said at the Ministry of Commerce, who was above Van Riet, there was only he. So, certainly in the English, we don't have the name Van Riet nung hai. Effectivement, dans la traduction en français que j'ai lue, on comprend bien qu'il n'y avait plus que lui. Il n'y avait plus que ce Ta Théa comme frère, comme camarade plutôt. Donc, a priori, il n'y a pas de contradiction, Ta Thuyk et Ta Thuyk dont je parlais, c'était sur la réponse précédente. En tout état de cause, madame, est-ce que vous vous souvenez que vous avez indiqué devant le CD-CAM qu'il n'y avait que Van Riet et qu'il n'y avait pas de personnes supérieures à lui à ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous l'avez dit donc en 2002 devant le CD-CAM, en 2004 non plus vous n'évoquez pas une éventuelle supervision par que s'empan des affaires du commerce. Et la première fois en fait que vous évoquez cette supervision de M. Que Sampan supposée au commerce, c'est lorsque vous êtes interrogé, c'est-à-dire
14 ans ou 12 ans plus tard, si on prend 2004, par les couches d'instruction, enfin, les enquêteurs des couches d'instruction. Et je vais rappeler ce que vous avez indiqué dans cet entretien avec les enquêteurs des couches d'instruction, document E3-1-0721. Réponse 242, que je vais lire en anglais. At the Ministry of Commerce, the person who had overall authority over both domestic and foreign commerce affairs was Khieu Samphan. He had meetings with the cadres there on a monthly basis. Fin de citation. Première précision, devant les couches d'instruction, vous avez indiqué qu'il y avait une réunion mensuelle. Et puis, tout à l'heure, répondant à monsieur le procureur, vous avez dit que finalement, vous ne souveniez plus exactement que c'était peut-être une réunion tous les deux mois ou peut-être une réunion tous les trois mois. Dans la mesure où vous-même avez indiqué que vous n'avez participé qu'environ à 4 réunions avec M. Khieu Samphan relativement au commerce, est-ce que vous pouvez indiquer quelle est la source de vos informations et quelle était, je vais procéder autrement, est-ce que pour les réunions au cours desquels il y avait des échanges entre Tarit et Tahong, est-ce que vous étiez informé du contenu de ces réunions? Tu procèdes autrement. Lorsque vous étiez à la pagode de Tultompong, quel était votre poste exact, quelles étaient vos responsabilités? Vous avez indiqué tout à l'heure que c'était de la responsabilité du commerce national. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? C'était bien le commerce national. Est-il exact de dire que dans ces conditions, vous n'aviez aucune responsabilité en matière de commerce international? Est-il exact également de dire que vous assistiez aux réunions qui étaient en rapport avec votre travail dans le cadre du commerce national? Tout à l'heure, vous avez indiqué ne plus vous souvenir où étaient les réunions, où se déroulaient les réunions auxquelles vous avez assisté, mais vous avez indiqué qu'elles n'avaient pas lieu, si j'ai bien compris, à la pagode de Tultompong. C'est bien exact? Oui.
Qui vous tenait informé de la date de la réunion ou des réunions auxquelles vous deviez assister? Quelle est la personne qui vous convoquait à une réunion si vous deviez y aller dans le cadre du Bureau du commerce national? Mais tout à l'heure, vous avez indiqué que finalement, vous ne saviez plus trop si c'était mensuel, bimensuel ou trimestriel. Et vous avez également indiqué, répondant à monsieur le coprocureur, que dans votre souvenir, en dehors des deux fois où il y avait une session à Boraïkila, vous n'aviez le souvenir que de quatre réunions en présence de monsieur Pessampan. Est-ce que c'est bien exact? Est-ce que vous pouvez indiquer ce qui n'est pas exact et préciser? C'est ça, j'ai donc bien compris votre déposition. Question suivante, je continue à citer ce que vous avez indiqué devant les juges d'instruction. Cette fois-ci, c'est question-réponse 243. Donc vous parlez de ces quatre réunions auxquelles vous avez assisté et vous dites... Enfin, la question qui vous est posée plutôt en anglais. Who organized the meetings? Answer. During that time, Khieu Samphan was the one who started the meeting agenda. No. No, I mean that Tarit was the one who prepared the agenda because he was the chairperson of foreign commerce. Question. Where did they meet? Answer. At the place called the Ministry of Foreign Commerce. Question. What did he talk about in those meetings? Answers. In those meetings, they only discussed politics, consciousness, and work assignments. End of quote. Là, dans votre réponse au co-juge d'instruction, on a l'impression que vous évoquez des réunions au bureau du commerce extérieur et que vous évoquez le contenu de réunions relatifs au commerce extérieur. Est-ce que vous pouvez préciser ce point? Est-ce que vous avez assisté à des réunions relatives à du commerce extérieur ou est-ce que c'est des suppositions que vous avez faites? Your Honor, I just object to the question in the sense that I'm not sure whether the witness said that the meetings were in relation to international commerce. The question was, what did he talk about in those meetings? The witness answered, in those meetings, they only discussed politics, consciousness, and work assignments. You know, this witness has said that the work that she did
It was in relation to products that were being sent overseas in any event in her statement. So, but she didn't say that the meeting was about foreign commerce. Je procédais autrement. Tout à l'heure, madame, vous avez indiqué que vous ne vous souvenez pas du lieu où avaient eu lieu les réunions. Les quatre réunions, vous dites que Sampan était présent. Première question, est-ce que ces réunions avaient lieu au ministère du commerce extérieur? Et les quatre réunions dont vous vous souvenez se sont déroulées à cet endroit. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Et vous dites que c'est Tarit qui préparait l'agenda de la réunion et qui présidait la réunion, c'est bien ça? À ce moment-là, est-ce que vous saviez, vous avez indiqué tout à l'heure ne pas connaître la position de M. Khieu Samphan, mais est-ce que vous saviez quelle était sa fonction ou en quelle qualité il assistait à ces réunions? Ou est-ce que vous ne saviez toujours pas? De donner des conseils. Et est-ce que vous avez entendu à quel, enfin, comment savez-vous qu'il était là pour donner des conseils? Est-ce que c'est Van Riet qui vous l'a dit? Donc, si je comprends bien, c'est une déduction que vous faites. Sorry for interrupting, but perhaps it's a translation issue. But I'm a bit confused now. It's clear she said she didn't know his official position at the time. What do you mean in which capacity he was there? What is a possible answer to that? I don't know where it's going. J'essaye de voir si en rentrant dans les détails, je rafraîchis la mémoire du témoin, tout simplement. Donc, elle vient de me dire qu'elle a compris ou elle a supposé que c'était pour donner des conseils. C'est sa réponse, je ne l'ai pas plus avant, mais j'essaye de savoir si je peux lui rafraîchir la mémoire ou pas. Vous avez indiqué que Van Riet était celui qui évoquait l'agenda et qui présidait la réunion. Est-ce que vous pouvez indiquer quel était le rôle de Ta Eun et de Kamarata
dont vous dites qu'elles étaient également, enfin, qu'ils étaient également présents lors de cette, lors de ces réunions. Donc, si je comprends bien, la camarade Ta était votre supérieure à vous, vous madame, et à Ta Eun, c'est bien ça? Vous avez ensuite évoqué l'arrestation, en tout cas le retrait de Ta Hong, et vous avez dit, si j'ai bien compris votre déposition, et corrigez-moi si je me trompe, qu'il avait été enlevé après l'arrestation de Sopim. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Thank you, Your Honour. It may be a translation issue, but this witness referred to Ta Hong being arrested in relation to Sao Pim. But Un, I'm not sure if you are you referring to Hong, because I'm hearing Un over the, and there's another one that is relevant. Non, non, je parle bien de Ta Hong, H-O-N-G, dont elle a parlé comme étant responsable adjoint aux côtés de Van Riet. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que j'ai bien compris votre déposition, à savoir que Ta Hong a été enlevé après l'arrestation, j'ai entendu le mot arrestation, de Sopim? Est-ce que vous confirmez ce point? Comment avez-vous appris l'arrestation de Sopim et par qui? D'accord, donc vous avez entendu des rumeurs. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date vous avez entendu ces rumeurs? Et combien de temps avant le retrait de Ta Hong avez-vous entendu ces rumeurs? Est-ce que c'était plusieurs semaines, plusieurs mois? Alors, juste une précision, vous avez entendu, vous voulez dire plutôt que Ta Hong a été arrêté peu de temps après les rumeurs sur Sao Pim, ou est-ce que vous avez entendu les rumeurs sur Sao Pim peu de temps après l'arrestation de Ta Hong? Est-ce que vous pouvez préciser? បន្ទាប់បន្ទាប់គ្នា
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ma question était différente. Je voulais savoir si vous avez, si Ta Hong a été enlevé avant ou après les rumeurs sur Saopim. Je voudrais revenir quelques instants sur votre passage à Kampong Chhnang. Vous avez indiqué à la Chambre que vous avez été chargé de travaux d'agriculture à Kampong Chhnang. Je voudrais savoir où se situaient les rizières dans lesquelles vous avez travaillé par rapport à l'aéroport de Kampong Chhnang, par rapport au site de travail. Et là, je parle géographiquement, bien sûr. Vous avez indiqué avoir vu à un moment le site de travail de l'aéroport de Kampong Chhnang. Je voudrais savoir à quelle distance les rizières où vous travaillez se trouvaient du site de l'aéroport de Kampong Chhnang. Est-ce que vous pouvez dire centaines de mètres, kilomètres ou une distance à pied, combien de temps il fallait parcourir pour arriver d'un endroit à l'autre? D'accord, donc un dernier point de précision. Quand vous dites que vous avez vu un certain nombre de travailleurs à l'aéroport de Kampong Chhnang, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'êtes pas resté sur le site de l'aéroport de Kampong Chhnang et que vous n'avez jamais résidé sur le site de l'aéroport de Kampong Chhnang?
Donc, si je comprends bien, vous aviez des baraquements pour dormir non loin de l'aéroport, mais votre lieu de travail était différent du site, c'est bien ça? Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions et mon confrère Kongsamon n'a pas répondu. អង្គជំរះអរគុណលោកស្រីប៊ុនអសនវការស្ដាប់ទៅខែកម្មលោកស្រីក្នុងឋានៈជាសាក្សីរហូតដល់ពេលនេះដល់ពីបញ្ចប់ហើយហើយសក្តិកម្មរបស់លោកស្រីអាចនឹងរួមវិភាគទីក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងនេះហើយលោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកស្រីមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកស្រីមានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អបានត្រីសុខដូចចម្រើនអង្គជំរះអរគុណលោកស្រីមេធាវីសុខវិជ្ជាតាឥឡូវនេះលោកស្រីអាចសម្រាប់បានហើយ ហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គភាពកងពីសាធារណៈនឹងជំនាញក្នុងការជូនសាធារណៈនេះពលរដ្ឋឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានឬក៏គោលដៅណាឬក៏មានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះត្រូវដល់ពេលទៅជួបសម្រាប់ហើយទោះបីនៅសេសសល់ពេលវេលាខ្លះនៅសៀវនេះក៏ដោយថ្ងៃនេះពុំមានថាថ្ងៃរឿងក៏ដើមដឹងរដ្ឋប៉មនីបំរុងទុកនោះទេអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសាធារណការត្រាប់ថ្ងៃនេះត